Eh ben bonjour à tous, donc nous voilà de retour sur Way of the Hunter. Voilà, c'est aïe. Donc, on a une mission pour April encore, pour avril. Prélever un herbivore, donc un renard ou un blaireau. Prélever un cerf-mulet ou un cerf à queue blanche. Donc, on va essayer de trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Déjà, quelle heure il est? Parce que faudrait que je regarde. Ouais, il est 9h du matin, c'est bon. Donc, on va essayer de trouver ça. Alors, par contre, je me pose la question si je vais continuer beaucoup les vidéos sur ce jeu. Pour la simple raison, c'est que les missions sont très très longues à faire. Donc, voilà. Ce qui est un peu embêtant parce que, regardez, là, pour le cerf à queue blanche, là, pour le mariage, j'ai mis 3 jours pour arriver à trouver ce que je voulais. C'est un peu. Voilà, c'est un peu trop long. Alors, Lumberjack, ben écoutez, je voulais le reprendre quand j'ai vu la mise à jour. J'ai dit, bon, je vais le lancer, voir un peu ce que ça donne. Quand j'ai lancé, j'ai vu que c'était encore buggé au niveau des toits. Donc, j'ai dit, bon, c'est pas la peine de le relancer. Donc, on va attendre encore une mise à jour. Alors, je sais pas. Est-ce qu'il faudrait pas que je recommence une partie complètement à zéro pour éviter d'avoir ce bug? C'est possible aussi. Parce que des fois de repartir à zéro avec une nouvelle sauvegarde, ça peut débugger les choses. Donc je me pose la question, qu'est-ce que je fais si je repars à zéro ou pas? Je sais pas trop. Parce que là, quand même, on est assez loin dans l'histoire, quand même, de Lumberjack. C'est un peu dommage, quand même, de repartir à zéro. Mais bon, je sais pas. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut arriver à trouver. Cerf à queue blanche repose souvent. Alors c'est pareil là, il marque ça là, le développeur, souvent. Quand j'ai fait la recherche pour, parce que je suis venu plusieurs fois ici, hein, pour avoir les cerfs à queue blanche, j'ai fait au moins 5 fois le tour de l'horloge, que j'en ai pas vu un seul. Hein. Donc quand il dit souvent, je sais pas ce qu'il appelle souvent lui. Hein. Donc voilà, c'est. Il y a beaucoup de choses qui vont pas dans le jeu et c'est dommage parce que ça a plombé le jeu pour rien. Alors, voilà, c'est ça que je voulais.
Sinon, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de retourner au camp et de changer l'heure peut-être pour arriver à voir quelque chose. Alors c'est pareil, quand vous servez de la peau, regardez, il avance au ralenti. Alors faut se relever, se rebaisser, et hop, voilà. Alors ça, c'est pareil, alors c'est vachement pratique, hein, quand vous traquez un animal, que vous l'appelez, que vous êtes obligé de vous relever et vous rebaisser, ça l'effraie, il se barre. Non mais c'est super pratique tout ça. Alors comment voulez-vous arriver à avoir un jeu enfin, comment dire, comment vous expliquer, comment voulez-vous qu'on soit intéressé par un jeu comme ça? L'intérêt, c'est tuer les animaux, c'est le but de chasser les animaux. Mais si vous faites des choses comme ça les fait fuir, alors automatiquement, vous pouvez pas les chasser. Donc, si c'est uniquement se balader dans la nature, c'est pas Hunter qu'il faut qu'il appelle, hein. C'est autrement. Là, c'est pareil. Le truc, c'est tellement court pour cliquer, pour analyser, que des fois on passe à côté. Serre que blanche mâle calme. Il est à 300 mètres. Donc on peut essayer d'avancer un petit peu. Donc ça veut dire qu'il est de l'autre côté de la rivière. Ah, attendez, j'en ai un qui est quelque part par là. Il est où? Attends, je l'entends mais je le vois pas. Alors l'autre jour là, quand je faisais la mission des Serraques blanches, pendant une demi-heure, j'ai eu une femelle qui me tournait autour. Alors la femelle, je l'avais déjà. C'était le mâle que je voulais, donc je pouvais pas tirer parce que c'était une femelle. Pendant une demi-heure, elle m'a tourné autour. Je suis resté pendant une demi-heure comme ça. Elle me tournait autour et je croyais que le mâle allait venir, mais il est jamais venu. Alors la pauvre, pour les ils devraient s'améliorer, mais j'arrive pas à l'améliorer non plus. Je comprends pas, il y a beaucoup de choses qui sont pas bien expliquées dans le jeu, donc c'est un problème. Pas où il est, mais je l'entends, il arrive. Ah, par contre, là, vous voyez, je suis un instinct chasseur. J'ai pas l'écho ne s'affiche pas. Alors, il y a des fois, l'écho va s'afficher, et d'un seul coup, il s'éteint. Vous savez pas pourquoi. Il disparaît. Ah, il s'approche, mais vous voyez, on voit pas l'écho.
sur marché par contre. Je fais le tour pour voir si je la vois, mais si je vois où la voir. Bon, on l'entend. Ça y est, je le vois. Elle est là. Ça a l'air d'être une femelle. Alors là, maintenant, il faut suivre les traces de sang. Alors là, alors ce que je fais, c'est que je mets des petits points, des repères rouges, vous voyez, comme ça me permet que si je perds la trace, de savoir où elle est, par où je suis passé après. Alors là, après. Là, vous voyez, j'en ai une ici. Après, je sais pas où elle est. Elle est là. Ici. Là. Là. Et là, ici. 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 T'es là. Alors ici. Et après? Après, elle a été où? Peut-être là-bas. Je suis pas sûr parce que voilà, le problème c'est que ben, pareil, hein, les traces, ben, au bout d'un moment, ben, on les voit plus. Ah, vous voyez la trace de sang? Elle a disparu. Bien joué. Donc ça veut dire que on n'a plus de trace de sang, on n'a plus rien, regardez. On n'a plus rien. Alors pour traquer après, c'est un peu compliqué. Pour moi, il serait parti comme ça. Alors, le problème, c'est qu'après, pour les chercher, c'est compliqué.
Alors si seulement sur la carte on avait un endroit qui nous dirait, bah tiens, il est quelque part dans la zone par là, même pas. Donc là maintenant pour la retrouver. Parce qu'elle va crever, ça c'est sûr et certain. Il va crever. Mais il est où? Et en plus, je lui ai tiré dans. Pratiquement dans l'intestin ou dans les poumons, un truc comme ça. Hein. Donc, c'est sûr qu'il va mourir. Hein. Mais le problème, c'est qu'on va. Pour savoir où il est. Ça, c'est. À mon avis, c'est qu'ils n'ont pas essayé le jeu. Parce que s'ils avaient essayé le jeu, les développeurs, hein, ils seraient aperçus du problème. Hein. Alors, il y en a qui doivent recevoir les jeux pour les tester. Hein, des gars, ils doivent, parce qu'ils ont envoyé des clés pour les tester. Mais quand ils les testent, il faut peut-être envoyer les retours. Bah, il y a ça qui va pas. Hein. On a perdu les traces, on ne sait pas où elles s'effacent. Ça se trouve, les développeurs n'étaient même pas au courant. Parce que là, maintenant, ils sont au courant parce qu'ils vont leur régler le problème. Parce que ça a été dit que sur Discord qu'ils réglaient le problème. Mais je pense que ça aurait dû être dit avant même que le jeu soit sorti officiellement. Bon. Eh bien, écoutez, on va faire un truc, c'est qu'on va retourner ici. Bah, là c'est mort, de toute façon c'est perdu. Il n'y a plus rien à faire. Il est perdu, il est perdu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dormir. D'accord? Je te demande de dormir, tu recharges, mais c'est pas mal. On va essayer de retourner où on était, mais bon, c'est pas. Donc c'est souvent que ça m'est arrivé que justement que les traces s'effacent comme ça. Donc ça veut dire que j'ai plein d'animaux qui doivent être. Parce que quand je chassais le cerf à queue blanche, j'en ai touché. Hein. C'est pas le souci, mais c'est que le problème, c'est que les traces s'effaçaient, donc je ne sais pas où ils étaient. Donc ça veut dire que sur la map, je vais avoir plein de cadavres qui vont être à droite et à gauche. Alors quand ils vont faire la mise à jour des traces de sang qui vont se remettre, je vais découvrir des traces de sang partout. Et je sais pas, c'est cette. Alors, je comprends bien qu'ils disent que les traces de sang, faut que ça fasse. Mais là, on n'a pas le temps de les traquer. On n'a pas le temps de chercher. Puis, vu que déjà, les traces, on a du mal à les voir. Parce que bon, en plus, ils ont été intelligents. De l'herbe jaune, les traces, les trucs en souriant en jaune. Ils sont super intelligents. Je sais pas, mais ils auraient mis du rouge ou du violet. Mais non, non, ils ont mis du jaune. Moi, je serais que même eux, j'aurais mis du vert. J'aurais mis carrément du vert, couleur vert. La même couleur que l'herbe. Ça aurait été encore mieux pour eux, les chercher, pour les traquer. Mais franchement, on se demande des développeurs s'ils réfléchissent des fois quand ils font les choses. Ça se demandait s'ils réfléchissent. Parce que des fois, on se dit, mais un gamin de 3 ans à la maternelle ne ferait pas les conneries qu'ils font. Parce que moi, je vois des fois des gamins qui disent, mais pourquoi ils ont fait ça? C'est débile. Ah, ben oui, mais et puis le gamin, il a 10 ans. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il a 10 ans, il dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Ils sont débiles. Faut pas faire ça comme ça.
Je suis sûr que même des gamins plus jeunes que ça, ils le voient. Donc franchement, l'âge mental des développeurs, des fois, ça se demandait si... Voilà, c'est ça. Bah, l'autre jour, je jouais, c'était un quel jeu que je jouais. J'avais du monde chez moi, et le gamin, il avait 5 ans. C'était le gamin de, de mes voisins. Il vient, il dit, mais... Pourquoi les feux de camion ils sont blancs? Enfin les clignotants. Pourquoi ils sont blancs, ils sont pas orange? Ah, je fais ben ça c'est un défaut du jeu. Et après je me mets je suis plus sûr que je me mets à l'intérieur du camion. Je suis plus Tron Driver ou Hans Rod ou un peu importe. Et dit mais pourquoi au tableau de bord les clignotants normalement ils sont verts et pourquoi ils sont blancs là? Et le gamin il a 5 ans. Alors ça prouve bien que voilà, les gamins sont bientôt plus intelligents que les développeurs. De toute façon, les développeurs, comme je vous disais, hein, ils vont plus avoir d'argent bientôt pour faire les jeux de pire en pire. Hein. Bon, ce qu'on va faire, on va essayer de se téléporter ailleurs. Hein. Moi j'irais bien là. Là, il y a des cerfs aussi. Mais je pourrais attraper un cerf-mulet, de hein, toute façon. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller là. On va prendre une voiture, puis on va essayer de... Ah, vous voyez, déjà, on est déjà 22 minutes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tué une femelle qu'on n'a pas pu trouver. Donc, déjà, c'est champion. Donc c'est des vidéos qui c'est comme c'est pour ça que je me pose la question si je vais continuer longtemps parce que ça va être des vidéos qui vont être creuses vides ça va pas avancer si vous voulez voilà on va pas avancer dans quoi que ce soit ça va être complètement vide. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est peut-être aller faire une petite balade quelque part, histoire de se balader. Qu'est-ce qu'on peut aller voir comme route? Qu'est-ce qu'il y a comme route? Il y a celle-là, là. Attendez. À ce moment-là, attendez. On est où, nous? On est ici. On va faire comme ça. On va aller là. On va faire comme ça. On va aller découvrir une petite route. Alors attendez. On va venir ici. On va venir ici là. Hop. Et on va essayer de découvrir cette route là un petit peu comme ça là. Tac. Ou alors, attendez. J'ai même mieux. Supprimer. Supprimer. On va continuer par là. Regardez, hop, 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 et on va prendre celle-là, qui vient ici, là, comme ça, toc, allez, on est parti. Alors je sais pas si ce sera pas peut-être la dernière vidéo sur le jeu, je pense. Je suis pas sûr, je sais pas, je vais réfléchir. Parce que là j'en ai encore deux qui arrivent et qui sont en train de se préparer sur YouTube. Je sais pas, je sais pas. Bon après parce que bon de toute façon j'ai d'autres jeux, hein, c'est pas le souci que je peux vous faire. Là jusqu'au 20 septembre j'ai d'autres jeux. Hein. Parce que bon après le 20 septembre il y a Construction Simulator le nouveau d'Astragon qui arrive et après j'ai Truck Driver qui arrive mais la version Series X donc voilà
Parce que j'ai Trunk Driver, mais l'ancienne version. Donc, à voir. À voir, à voir. Et dans la version Series X Premium, là, que j'ai que précommandé, il y aura le DLC Nord. Avec. Donc dans le DLC Nord, il y aura des nouvelles missions, il y en a de nouveaux trucs. Alors donc, je ne sais pas si on repartira complètement à zéro sur Truck Driver. Parce que moi, normalement, il était prévu depuis longtemps de sortir, mais apparemment, ils ont eu des problèmes sur le DLC. C'est pour ça qu'ils ont reculé la sortie du truc à chaque fois. Mais moi, franchement, il me tarde qu'il sorte quand même Truck Driver maintenant. C'est pareil, j'attendais. Ça fait longtemps que j'attends Truck Logistique. Celui-là, depuis 2019, il est annoncé sur Xbox et PS. Écoutez, je crois qu'on va l'attendre encore longtemps celui-là. Sur Switch, il est sorti. Donc voilà, c'est. S'ils l'ont sorti sur Switch, c'est que peut-être au niveau graphique, ça doit pas être bien beau alors. Je pense que ça va pas être bien beau sur si c'est sorti sur Switch. D'accord, ok. Vous voyez, regardez, ça fait des kilomètres et des kilomètres qu'on roule quand même. Enfin, des kilomètres. Façon de parler, hein. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a vu comme animaux depuis qu'on est parti du gîte? On n'a rien vu. Attendez, parce que là, je vois pas. Faut que j'aille là. D'accord, ok. Ça qui est dommage dans ce jeu, c'est qu'on voyait pas plus d'animaux que ça. C'est quand même un jeu de chasse. Il doit avoir des animaux, c'est pas le désert hein, non plus. Je suis sûr que dans le désert on voit plus de chameaux que là que dans le jeu qu'on voit d'animaux qui se baladent. Oh là, il y a un problème de son par là. Oh là, oh là. Ah, on a découvert un lac. Ah, est-ce qu'il n'y a pas un point d'interrogation quelque part? Ah si, regardez! Il y a un point d'interrogation. On va aller quand même l'explorer ce point d'interrogation. C'est peut-être un camp ou une connerie comme ça. Non, c'est une tour de guet. Je la vois aller là-bas. Ah ben reste là toi! Voyons ce qu'on voit de beau là-haut. Donc voilà, on a découvert une petite tour de guet ici, c'est nickel. Par contre, là, j'ai des loups gris. Yes! C'est bon ça. On a découvert les loups gris, du coup.
Donc ouais, alors soit, je sais pas, comme je vous dis, je sais pas trop. Soit j'arrête les vidéos sur ce jeu, j'arrête. Ou soit voilà, là vous avez vu la mission que je dois faire. Je fais la mission de mon côté, tout seul. Suivant le temps que ça va mettre, ça mettra du temps. Et je reprends en vidéo dès qu'on a validé la mission, qu'on a un commentaire, quelque chose. Ou juste avant de ramasser l'animal, le deuxième, je remets en vidéo pour que vous voyez ce qui se passe. Je sais pas, je sais plus trop comment me goupiller avec ce jeu, tellement que c'est long de faire quelque chose dessus. C'est hyper long. Vu que j'ai pas de logiciel de montage de vidéo, je peux pas faire de coupure de vidéo, je peux rien faire. Et puis de toute façon, je veux pas investir dans quoi que ce soit. Pour la simple raison, comme je vous ai toujours dit, et je le maintiens, c'est que du bénévole. Moi, je me fais pas payer par YouTube. Je veux pas de, je veux rien. Voilà, je fais ça pour le plaisir. Maintenant, je veux pas investir dans un truc, dépenser de l'argent alors que, voilà, je n'ai pas la, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je préfère dépenser de l'argent à acheter des jeux, vous présenter les jeux en même temps. Plutôt que acheter dans un logiciel de montage et puis non voilà moi je demande rien à personne donc voilà moi je n'ai pas d'intérêt à investir dans un logiciel de montage donc je peux pas faire de coupure je fais pas de coupure ce que je coupe juste c'est comme je tourne c'est tourné sur Twitch sur la série X je coupe juste le logo de Twitch à l'avant et au début de vidéo puis à la fin puis basta c'est tout hein. C'est tout ce que je fais hein. On va faire comme ça, alors attendez, parce que là ça peut devenir peut-être un peu intéressant de faire comme ça, tac. Voilà, et puis là on va suivre ce chemin-là, hein, ça a changé un petit peu. Se promener comme ça. Alors attendez, faut que j'aille où là? Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, quel intérêt. Moi, je trouve pour mon intérêt d'investir. Donc voilà, c'est le truc. Puis comme je veux pas investir non plus, donc voilà. Regardez, on n'a pas vu encore un animal depuis tout à l'heure qu'on est parti. On n'a pas vu un animal. Un ours. Il y avait un ours. Et le temps que j'attrape mon fusil, je me suis emmêlé dans les touches, nickel. Alors, on a vu un ours depuis qu'on est parti, hein. En une demi-heure. Enfin, ouais, allez, on va dire une. Ouais, ça fait 35 minutes en une demi-heure parce que bon, les 5 premières minutes, on a traqué l'autre.
Ah, on est où là? Parce que quand même, faut qu'on regarde. Là, on suit toujours le chemin, d'accord, ok. Donc là, je vais pas tarder à couper la vidéo, de toute façon. Alors, je sais pas, hein, comme je vous dis, je sais pas s'il y aura d'autres vidéos dessus, je sais pas. Je peux pas vous dire. Je pourrais pas vous dire. Je sais pas. Je ne sais point. Oh là, le problème de texture là. Le sol. Bah. Regardez la Jeep, elle en chie pour monter. Non mais sans déconner. C'est une Jeep hein, quand même. J'ai l'impression de rouler avec une deux chevaux. En plus, j'ai pas le droit de chasser ici. D'accord, ok. Par contre. Ah, si, il est là. Ouais. Par contre, on va peut-être tourner là au chemin. Hein, on va peut-être redescendre ici. On va aller par là. Voilà. Un moulin. Nouvelle découverte. Des bois d'esprit. D'accord, ok. On peut pas rentrer. D'accord, on peut pas rentrer. Ouais, c'est. Est-ce que ce soit par là qu'on rentre? Allez, à plus d'eau? À plus d'eau. Mince, c'est pas ce que je voulais faire.
voulais essayer de monter sur le toit. Ah! On va recommencer. J'ai un point de vue là pour chasser? Nickel. Bon, mais sur ce, on va s'arrêter là. Hein, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais aller un petit peu découvrir un peu la zone. Là, vous voyez qu'il y a plein de trucs en surbrillance. Je vais aller découvrir un petit peu tout ça. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao!